Bon, ben, on remercie Damien d'être venu. Alors, je rappelle ça. Ça, je rappelle, hein, on le laisse pour tout à l'heure. Hein, j'espère que vous n'allez pas le faire tomber. Allez, Damien, tu t'assois et tu vas bien m'écouter. Allez. Bon. Alors, Damien, écoute-moi bien. Tu as un papier, là, sur un morceau de plexi, ouais, avec un stylo à côté. Tu le prends. Bon. Tu te mets debout. Et tu vas penser à quelque chose que tu n'aimes pas. Genre un fruit, un légume. Que j'aime pas. Que tu n'aimes pas et tu vas le marquer dessus. Comme tout le monde me voit là, vous voyez que je peux pas voir. Que j'ai pas de truc électronique, j'ai pas de complice, j'ai rien. Donc, si j'arrive à... Compère, complice, on ne sait plus encore, tu sais, dans les réunions, on sait plus. C'est bon, tu as écrit? Donc, soit tu le plies, soit tu ne plies pas le papier, mais tu l'enlèves et tu le mets dans l'enveloppe que tu as envie. Oui, par contre, elles sont rangées dans l'ordre, si tu veux les mélanger, tu peux, il n'y a aucun souci. Tu fais ce que tu veux. Tu les mets dedans et vous pouvez tous regarder mes yeux qui regardent nulle part ailleurs, pas sur des miroirs, des machins. Parce que, il y a certains... Alors, écoute-moi bien, Damien, tu l'as mis dans l'enveloppe? Oui. Tu la fermes et tu les... L'enveloppe. Voilà, tu la sèmes. Okay. C'est bon? Oui. C'est bon? Ouais. Donc tu prends un autre papier, tu le mets dessus. Ouais. Et là, cette fois-ci, tu vas écrire le fruit ou le légume que tu aimes. Que j'aime. Alors comme tu sais que je vais sur Facebook, que je connais tes amis, ta famille, tout ça, tu peux mentir, dire quelque chose qui est faux. Hein. Mais on va dire que c'est quelque chose que tu aimes. Hein, on dira que ce que tu es en train d'écrire là, c'est quelque chose que tu aimes. Donc tu peux même me le dire. Allez, c'est pas l'orange. Allez, l'orange. Voilà. C'est bon? Non. Donc, tu sais l'écrire ou pas? Dessine. Donc tu le prends, tu le mets dans l'enveloppe que tu veux et que tu la sers. Je veux, je la fais. Et regarde, pardon. Non, surveille, surveille. Pas quand tu l'écoutes. Dès que c'est fini, tu me dis. C'est fermé. Alors, on continue. Je reprends tu prends un autre papier, là tu remets quelque chose que tu aimes. Bon. Fruits ou légumes. Et tu vas le mettre après dans l'enveloppe. Est-ce que les frites. Les frites. Si tu veux, mets les frites. Mets les frites. Les frites. Pommes de terre aussi. Oui. Les frites. Avec lui aussi ou pas? Quelqu'un qui est en plus. C'est un peu plus lent. En plus, c'est. Des chips. Ah, c'est bon? La prochaine fois, tu prends un spectateur normal, hein, Thierry. Des patatos. Que tu aimes et tu mets dans la dernière enveloppe et tu mélanges les enveloppes à la fin. Comme ça, je peux pas savoir. Là, du chips. Ok. Ça y est, je mets dans la dernière, oui. Du sel, tout ça. Du sel, oui, il faut les filer. C'est bon? Ok. Et tu peux même mélanger et les remettre à l'emplacement que tu les as trouvés. Donc, on sait qu'il y a eu orange, on sait qu'il y a eu frites. L'autre, on ne sait pas, mais les trois, on ne sait toujours pas dans quelle enveloppe ils sont. Donc, moi, je ne sais pas en tout cas. Il n'y a pas mis de frites. Il n'y a pas mis de frites. Tu as mis quoi alors? Tomate. Tomate et orange alors. Oui. Je me disais, il y a un truc, il y a qu'à aller. Tu as mélangé, tu as reposé le signé, tu as tout laissé? Ouais. Allez, viens à ma place, moi je vais ici. Ça prends-les. Prends-les. Oui. J'en veux pas. Il y a un peu. Hop, et voilà. Alors, moi je vais me tourner encore une fois. Tu te mets là, quoi que je peux le faire ici, hein, je peux regarder. Tu vas prendre l'enveloppe numéro 1. Oui. Et tu vas la secouer comme ça. Alors, avant de le faire, attends, je vais raconter une histoire. Ma mère, non mais c'est réel, ma mère, elle allait à la boîte aux lettres, elle prenait les lettres, elle arrivait dans la chambre en gueulant, elle disait « C'est quoi ça ?» Elle n'avait même pas ouvert l'enveloppe, elle savait que c'était moi. Elle savait que c'était l'école qui m'avait écrit et qui avait dit quelque chose sur moi. Un avertissement, un machin, bidule, sans ouvrir l'enveloppe. À chaque fois, je me demandais comment elle faisait. Alors, elle disait « C'est quoi ça ?» Et moi, j'avais peur. Et je ne sais pas si elle me l'a transmis, mais moi aussi, j'arrive à faire ça. Tu vas voir. Par exemple, prends la première enveloppe, la numéro 1. Hein ? La 2. Ouais. Et la 3 ? Prends la 2 et la 3. Alors, vous n'allez pas me croire, parce que moi, j'ai... meilleur que ma mère. Je sais que dans cela, exactement ce qu'il y a dedans.
C'est-à-dire que moi, j'ai eu le pif un peu plus surdéveloppé par rapport à un Saint-Don, ça se travaille. Hein. D'où le nez. Et là, je sais qu'il y a la tomate et l'orange. C'est ça? Regarde. La tomate et l'orange. Il y avait orange et tomate? Orange et tomate. Là, il y a 1 et 3. Vas-y. Il y a 2 et 3. 1 et 3, tu m'as dit? Oui. Ah, pardon. Vas-y, 1 et 3. 1 et 3. Secours? C'est ça, 1 et 3. Oh, ah ouais? Je sais pas, je me rappelle plus. Orange et tomate. Mais... Je sais pas si vous avez suivi. Oui, ah, oui. Je dis ah oui pour pas que... Mais si, c'est ça. Je sais pas, hein. Moi j'étais trop... Si. Moi c'est au niveau du nez. Hein. Ah ben... Orange ou orange? Tomate. Tomate. Et l'autre? Ça. Donc les deux produits qu'il aimait étaient dans l'enveloppe numéro 1 et l'enveloppe numéro 3. Tomate ou tomate? Et orange. Bravo. Oh. Donc on a compris que dans la troisième il y avait... Qu'est-ce qu'il aime pas? Ah oui, là c'est plus dur. Ah ben, secoue plus fort. Secoue dans le nez. Là, vous me demandez des trucs extraordinaires, je crois que vous savez où je voulais revenir. Là, je sens un légume. Les épinards. Ouais. Non, pas épinards, non. Quelque part. Tu seras pas bonne en déduction. Je sens un légume vert. Vert. Ah, pas mal. Vert. Le tiron. Le poireau. Moi, exact. Tiron, ça dit aussi pareil. J'ai eu l'odeur du poireau. Ouais, t'as l'odeur du poireau. Ouais. Ça marche. Moi, je dis poireau. Quand t'as l'odeur du poireau, c'est mauvais signe. On regarde. Mais... Un tonnerre d'applaudissements. Oui ou non? Du poireau. Prends les petits, on les jette en l'air. Oui. Bravo. Bravo. Toucher. Ouais, c'est pour tout à l'heure. Celui qui vient, ou alors je continue. Hein. Allez, continue, tu imagines. Pas mal ou pas mal? Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure, pour l'instant. C'est pas mal. J'apprécierai des applaudissements. Bravo. Alors, vous en voulez un autre? Oui. Ah,